So we finally meet. Eh bien, bonsoir. On se retrouve pour la suite de Silent Hill 2. Si vous voyez cet épisode, c'est parce que tout simplement mon immeuble n'a pas encore fini sous l'eau. Tant mieux. Parce que si c'est fini sous l'eau, je n'ai plus d'électricité et ça va me refaire une coupure de plusieurs jours et je n'en ai pas envie. Donc, peu importe, on en était arrivé à cet étage de merde. On avait buté 2-3 monstres et on avait fait notre première rencontre avec Pyramid Head aussi. Il était, je peux me souvenir exact de où il était d'ailleurs, mais il était derrière une grille, en train de m'attendre comme un gogol. Oh là là. Elles viennent pas ici, j'espère. Mais vas-y, elle tape des esquives, ces grosses salopes, là. Mais... She's dead. Cette connasse est morte. Je me suis quand même fait un peu tabasser, en vrai. Oh putain, j'ai rebu une potion. Mais déjà, pourquoi elle a une bouche qui parle? Ça, je comprends pas. Et let's go, je viens de gâcher encore une potion. J'en ai plus aucune, c'est génial. C'est pas du tout intuitif, genre j'ai tellement envie d'appuyer sur triangle. Salut Amber J, salut et merci pour le follow, c'est très gentil. Bienvenue. Ah. J'ai quoi, une seringue? Nickel. J'ai pas particulièrement envie d'aller en dessous. Hein. Ouais, il y en a des choses ici. Bloody Apple. Ok. Et donc? Bah écoute, ça va et toi? J'ai compris. Avec le poids, ça a tout fait tomber en bas et du coup, ça a débouché le videur dur. Et donc, j'ai accès à mon petit jeton. Il y a quelqu'un dedans, on le sait. Hein. On a compris. 4 balles de pistolet, putain, le jeu m'en a jamais donné autant. Ça pue la merde. Hein. Mais il est où mon jeton? Et là. C'est une femme, c'est pas une petite fille. Je sais pas si c'est... Ça me paraît bizarre. Dans les 5 trous prennent place 3 pièces qui brillent. En premier, sous l'arbre, s'assit la jeune fille. J'ai pas de jeune fille. Derrière la jeune fille, le vent peut souffler. Une jolie fleur toute seule doit pousser. La jolie fleur doit pousser toute seule. Le vieux monsieur, il est forcément là. Hein. L'homme approche soudain, sa lame dévoilée, son visage s'effaçant derrière l'acier. Alors, loin de l'homme, la jeune fille s'enfuit vers la jolie fleur, loin de l'arbre aussi.
Où poussait une fleur, le venin prospère. En lieu de la jeune fille, il n'y a plus qu'une pierre. Sur sa tombe, l'homme demeure tristement. Sa lame a manqué la veine du serpent. Oh. Le monsieur venait la sauver, en fait. La bête dont les crochets ont mordu la fille lui a... Ah, oh, je sais plus lire, putain. La bête dont les crochets ont mordu la fille, lui qui a échoué, elle qui perd la vie. Sur vous repose maintenant un triste effort. Qui doit-on blâmer pour ce coup du sort? Ok. Oui, qui doit-on blâmer? C'est l'homme. Si l'homme s'était pas approché, la fille aurait pas eu peur et elle serait sûrement jamais morte. On progresse. Mais c'est un bel appart ici. Avec une première chambre. Clairement la chambre de mamie, hein. Il est bien cet appart encore en soi. Il est pas trop détérioré, hein. Au cinématique, alors là. Il a l'air de bien s'amuser avec ses petites jambes. Qu'est-ce qu'il fait? Il la tue, il la viole, il la possède? Un peu des trois en même temps, peut-être? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il danse la tectonique? Mais il sort trop tôt. Il est même pas encore parti qu'il sort déjà, quoi. J'ai ramassé quoi au final? Un bout de tissu? Moi, tu peux avaler ta salive, hein, j'aurais fait pareil. Je pense que moi, je serais mort, en fait, d'office. Pourquoi il y a une porte ici? Y a rien? Un mouchoir. Bon, il l'a tué, en fait, il l'a pas violé. Oh là là, est-ce que t'es sûr de vouloir faire ça? Attends, j'ai un trophée, qu'est-ce que ça dit?
Enter the other world for the first time. Ok, rentrer dans la dimension parallèle pour la première fois. Je ne suis pas sûr. Est-ce que je peux rentrer à la maison? Ah oui, l'ambiance, c'est pas la même chose quand même là d'un coup. Hein. C'est. Yes. Autant Déjà de base, ça fait très ville fantôme, mais là, ça fait. Putain, mais tout est rouillé quoi. Il y a de la rouille et de la pourriture qui s'est installée partout. Waouh! Mais il tire de super loin. Ah putain! Putain, mais les talons aiguilles qu'ils ont fait à ces créatures. Enfin, les talons tout court, c'est pas des talons aiguilles, mais. Les talons qu'ils ont fait à cette créature, c'est abusé. En fait, vraiment, je comprends pas. Genre, pourquoi il fait ça? Elle a disparu il y a 3 ans. T'as refait ta vie depuis, non? Pourquoi tu décides d'y aller? Enfin, je sais pas, c'est. Ça n'a pas de sens. Et pour R2, pour casser un mur? Alors là, mon envie, elle retombe à genre 0. Elle est même en négatif, je dirais. Putain, je vais pas trop gâcher mes balles, mais. Je peux déjà l'affaiblir de 2-3 petits coups, ce serait pas mal, non? Non, ça va, il meurt vite en fait. Putain, faut que je me rappelle que eux, quand ils meurent, ils bavent partout, quoi. Fais gaffe, au pyramide, elle va venir t'enculer, connasse. Tu veux que je te rappelle ce qu'a fait Pyramid Head? Tu veux que je te le rappelle? Il a tué tes semblables. Donc fais pas la ouf toi. Hein. Oh ouais. Un lieu de sauvegarde. Qu'est-ce que j'aime bien les lieux de sauvegarde. Je pense que c'est vraiment mes endroits préférés. Littéralement. Henri a peur de Scott. Il l'esquive et cherche à se cacher, ayant fuir à l'ouest de l'autre côté. Mais voici qu'arrive Mildred, toute innocente, Scott est face contre terre, ignorant sa descente. Ok, bro, super. Sympa l'ambiance. Une petite pièce avec de la lumière, ok. Oh, c'est ouf comment. Là, ça me fait pas du tout, mais. Je peux finir ma phrase sans me bouffer un taré qui toque aux portes, s'il vous plaît. Ce que je disais, c'est que là, c'est fou comment ça ne me fait absolument plus du tout penser, mais alors plus du tout penser à The Last of Us. Alors là, rien à voir. Voilà. Pourquoi tu toques si tu t'es enfermé dedans? Une tronche de cake, va. Pourquoi la lumière s'allume? Putain de merde! Tu veux te battre? Tu veux te battre? J'ai pas peur, moi. Ah, si, j'ai eu peur, ok? J'ai eu peur, je le sais. C'est bon. Ah. J'ai vraiment un bout de bois qui est hyper solide, n'empêche. Hein. Une chambre de bébé! Et le bébé avait des balles sur lui. Vas-y. Oh là là, il y a trop de cadavres partout. Avec des grands couloirs. Des bruits bizarres absolument dans tous les sens.
Là, vraiment, tout est fait pour me faire flipper, en fait. J'ai juste envie de me chier dessus. Ce n'est pas qu'une envie, hein. C'est une envie qui est réelle. Je suis littéralement en train de faire caca. Où je dois aller et pourquoi, en fait. C'est surtout ça, là. Je vais bien essayer d'aller par là-bas, d'abord. En fait, c'est con, mais j'ai l'impression que plus je cours et plus je suis en danger. Au vu de la musique, je suis plutôt tranquille ici, je pense, non? Hop. J'ai marché dans un piège ou quoi? Clé de la chambre 306, super. Et une valve. Je me suis enfermé. Oh. Ah. Oh. Mais meurs, connasse. Oh putain, j'ai trop géré. Je me suis pas pris un coup en plus, j'ai entendu l'autre se relever. Toi là, toi, je savais que tu serais traître. Je l'ai entendu se relever, je me suis dit, je vais peut-être d'abord finir celui qui est au sol. Le jeu nous a habitués aux mannequins qui nous attendent dans certains coins et du coup, bah, des fois, on a juste l'impression de voir un mannequin alors que pas du tout. Oh, je suis mort. Mais je me suis soigné, non. Oh non, j'en reprends d'où? Oh non, c'est une blague, je reprends de tellement loin. Oh putain, ça saoule. Oh putain, mais la mort, elle est hyper punitive. Je pensais pas que je réapparaîtrais d'aussi loin, quoi. Ça, c'est avec la radio. Donc là, attention, jumpscare. Ouh là là, j'ai eu peur. Là, je vais tourner ça. Yeah. Ok, je l'ai aussi bien géré que la première fois, donc ça c'est cool. Ah bah les couilles. C'est plus long, voilà. Tant pis, j'ai tiré, j'ai gâché des balles. Bah, je dis même que c'est pas un gâchis de balles, parce qu'au final... j'ai pas pris de coups, je m'en suis beaucoup mieux sorti que la première fois. Mais... elles sont boostées, ces connasses. Allez. À terre. Ouais, calme, calme, elle est morte, c'est bon. Prends plutôt ses balles, là.
Vas-y, ça me saoule. Pourquoi j'avais pas la range? Yes. Deuxième aiguille. Faut que je retourne là où il y a l'aiguille, sauf que je ne me rappelle pas où il y avait l'aiguille. C'est problématique, ça. Okay. Un sur 2 heures et un sur 9 heures. Ok, super. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Scott. Là, je peux plus rien faire en plus. Donc non, j'ai vraiment fini, mais... Et ensuite, ça a ouvert la porte avec le H. Ah oui, ok. Ça a ouvert la porte avec le H. Putain, pour être dans une zone où tout est délabré et pourri, ça fait plaisir d'être dans un appartement qui est à peu près correct, on va dire. Yeah! J'aime bien un peu tout casser. Hein. J'avoue que c'est une de mes passions. Oh non, mais on est sûr de ça là. Vraiment, on s'est dit, ouais, vas-y, let's go, on va mettre la main là-dedans. Et pourquoi mon personnage, il sait qu'il y a un objet dedans? Ça n'a pas de sens pour moi. Jamais, mais jamais, je vois des toilettes comme ça, je me dis, c'est sûrement la clé pour gérer cette énigme. C'est sûr que c'est dedans. Non, je comprends pas. Oh là là. Oh, je suis bien dans mes toilettes. Je suis super bien dans mes toilettes. Je vais rester toute la journée ici, je pense que... Pourquoi aller ailleurs, finalement? Oh, non. En plus, je peux plus faire demi-tour. Oh, salut, toi. Mais... Mort, bordel, mais... Tu sais, je comprends pas pourquoi elle a autant de mal à bien viser le truc. À viser l'ennemi. Bon, en vrai, je vais arrêter là. Tant pis, je le referai et je referai cette partie, mais je vais arrêter là. Ciao, la bise, et à la prochaine.